Bienvenue sur la troisième étape du Tour du Portugal, Sinesh Loulé, 191,8 km, tout d'abord 140 km tout plat, animé cette étape dans un premier temps par trois coureurs, Lars Kvedevlig de l'équipe Univers Cycling, Nuno Merelech de la formation Aviludo Louletano et Wesley Moll, déjà à l'avant de la course ces deux derniers jours de la formation Bakaïd. Ils ont eu jusqu'à plus de 11 minutes d'avance sur le peloton, mais l'écart bien sûr va fondre, puisqu'après un travail des équipiers du leader du classement général, Linares, eh bien la formation Caraoral va accélérer au sein du peloton. Il reste 25 km de l'arrivée, l'écart est déjà de 3 minutes, et dans les 10 derniers kilomètres, il y a une petite butte, la Cruz Assumada, 3 km à 5% de moyenne, où le coureur portugais Merelech va distancer ses compagnons de fugue et va être avalé par le peloton à 7 km de l'arrivée. A noter que le leader du classement général, Linares, vainqueur des deux étapes précédentes, a été distancé dans cette dernière ascension. Mais on va assister quand même à une arrivée au sprint à Loulé. Et la victoire va revenir une fois de plus à un coureur de la formation Taffer, l'équipe de Linares qui avait remporté les deux étapes précédentes. Et bien cette fois-ci, c'est João Matias qui va donc signer une victoire d'étape, lui qui avait remporté deux étapes en 2022. Et bien il signe sa première victoire d'étape en 2023. Il devance Oscar Pellegri de la Burgos BH et Luis Mendoza de la formation Class Drive. Et au classement général, le vainqueur du prologue, Raphaël Reich, reprend les commandes du classement général devant le vainqueur du jour, João Matias. Ciao tout le monde.